Et donc il faut savoir que l'animation que vous allez participer aujourd'hui est encadrée par un réseau d'animateurs nature qui est géré par le conseil départemental et par le parc naturel régional de la Narbonnaise via une association qui s'appelle Géode. Et donc on propose tout un panel d'animations nature tout au long de l'année et au gré des saisons et des mois. Donc on propose un petit peu plein d'animations sur tout un tas de sites dans l'Aude qui sont répertoriés en espace naturel sensible. Les ENS, c'est l'intitulé des animations, c'est découvrons ensemble les espaces naturels sensibles de l'Aude. Et donc on a la chance d'avoir un département où on a un bon panel de milieux naturels représentés. Et on part du littoral comme nous sommes aujourd'hui et on monte jusqu'à la moyenne montagne, donc sur le massif du Madre et puis les massifs plus au sud du département. En passant par la grande plaine viticole, la grande plaine céréalière sur l'ouest audois, le piémont montagne noire et pyrénéen avec des milieux de transition entre le milieu méditerranéen et plutôt continental, ce qui fait qu'on a tout un tas de milieux divers et variés qui fait que on a une richesse faunistique et floristique tout à fait intéressante sur le département. Donc le but c'est de vous le faire partager. Je vais laisser la parole à ma collègue qui va se présenter elle-même. Et puis voilà. Bonjour à tous, mon prénom c'est Flavie. Je suis dans la vie botaniste, c'est-à-dire que mon métier consiste à connaître les plantes plutôt en région méditerranéenne. Je travaille dans un bureau d'études et accessoirement je suis dans le milieu de la chasse depuis toujours. Donc je suis moi-même chasseresse, ce qui fait que je me rapproche de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude pour leur faire bénéficier de mes compétences dans le cadre d'animation ou de suivi qu'on peut faire ensemble. L'aspect aujourd'hui qu'on va développer, c'est vraiment une complémentarité entre Laurent et moi, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment l'approche flore-habitat. Donc habitat, c'est un ensemble d'espèces floristiques, donc de plantes en fait qui vont former une unité homogène. Et du coup, Laurent sera plutôt là sur la partie des animaux. Fleur de mon orchidée. Pardon. C'est pas énorme. Hein. Et les ophrys, en fait, c'est un genre, c'est-à-dire que il y a plusieurs espèces qui appartiennent à ce genre-là. Les ophrys, ils ont évolué très, très étroitement avec les insectes pour qu'ils puissent être pollinisés. La pollinisation, ça sert à ce que les fleurs se transforment après en fruits et donnent après des graines. Et le principe, c'est que ces ophrys, ils ont évolué de telle sorte à ressembler de plus en plus à un insecte. En fait, l'idée, c'est que la partie, le pétale qui est vers le bas, il ressemble à une abeille. Comme ça, de loin, quand une abeille passe, elle se dit « Ah tiens, un copain ou une copine !» Et elle vient, du coup, elle se pose. Et en se posant, du coup, elle va venir polliniser la fleur. Et c'est cette pollinisation-là qui va pouvoir, après, permettre d'avoir des fruits et des graines. Et cette ophrys-là s'appelle l'ophrys bécasse. Colopax en latin, parce que si vous regardez sur le côté, peut-être on va pouvoir faire passer la fleur, sinon vous avez un individu là, c'est pas du tout une espèce protégée. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je me suis permis de la ramasser, c'est une espèce qui est très commune. Et si vous la regardez de profil, on a un petit bec comme l'oiseau, la bécasse. Je vous demande de ne pas la toucher parce que c'est une espèce qui est photosensibilisante. C'est-à-dire que dès que vous appliquez de la rue sur la peau et que vous l'appliquez au soleil, vous avez une brûlure au troisième degré. Rien que ça. Non, je ne sais pas quoi. Mais c'est à tout le monde. Bon. Comme je vous disais, il faut qu'il fasse plus il fait chaud, plus ça sent. Je sais quand même, mais prenez-en une poignée. Hein. Ouais, ça sent le pétrole, ça sent le bitume un peu, le bitume chaud. Bah, c'est l'herbe à bitume. La psoralée.